Hey hey, salut les gamers, c'est Lady de la Zombie Factory, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt bien, une petite vidéo sur du GTA V. Oui, encore, je sais qu'il y en a beaucoup en ce moment, mais il y a pas mal d'infos à faire partager. Donc on va vous montrer comment obtenir le Cargo Bob. Vous allez pouvoir l'acheter, donc il y a une petite manip à faire, vous sortez votre téléphone, vous allez dans Voyage et Transport sur l'onglet Warstock. Donc là, vous allez avoir tous les véhicules de guerre, les tanks, etc. Donc vous en choisissez un au hasard, peu importe. Et cela va vous faire apparaître une barre de recherche tout en haut, donc avec un chiffre à la fin de cette barre de recherche. Et tout simplement, il va falloir modifier ce chiffre pour mettre le numéro 5, donc qui correspond au chiffre du Cargo Bob. Donc vous allez atterrir sur la page du Cargo Bob et vous allez pouvoir l'acheter pour 185 000 $. Et par la suite, pour le récupérer, eh bien c'est simple, vous prenez à nouveau votre téléphone et vous appelez Pegasus. Pour 2 000 $, vous allez pouvoir vous le faire livrer sur la piste d'atterrissage la plus proche. Donc je sais qu'il y en a une dans le centre-ville, au port, à la marina. Il y en a une à l'aéroport, je crois, je ne suis pas sûre. Autrement, c'est sûr, il y en a une à l'hippodrome. Donc voilà toutes les pistes d'atterrissage les plus proches. Et ce cargo bab, vous allez pouvoir rentrer jusqu'à 10 personnes à l'intérieur, donc ça promet du fun assuré. Quant à nous, restez connectés sur cette chaîne, il va y avoir très prochainement pas mal de lives en zombie, en survie, en mode extinction également. On a le top 10 esquive annuel qui va sortir, c'est une petite idée qu'on a eue. Il y a le top 10 what the fuck qui est toujours en préparation. Bref, il va y avoir pas mal de petites choses, donc restez avec nous. On vous dit à très bientôt, prenez soin de vous, bye!